Là, c'est d'abord une plateforme Internet. On a compilé beaucoup de documents, beaucoup de ressources, en fait, sur tout ce qui concerne les maltraitances faites aux enfants. Plateforme jeunesse.fr. C'est surtout un ensemble de personnes qui sont décidées à effectivement agir et lutter contre tout ce qui est toutes les formes de maltraitance. Alors, on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de diffusion d'informations. Un partenariat qui est venu dans le temps de manière assez naturelle, puisque nous on était plutôt sur le versant d'un peu bibliothécaire, c'est-à-dire qu'on a collecté beaucoup d'informations, et la Focale a plutôt une tradition et une compétence en termes de concept, mais aussi de formation sur l'ensemble du territoire. Et puis la PAF certification, ben c'est aussi une expérience déjà dans le domaine de la certification, avec évidemment aussi des agréments nationaux. Donc la conjonction des trois, en fait, des trois opérateurs, est vraiment très porteuse. En tout cas, pour nous, elle est très porteuse. Alors notre contribution, nous, c'est surtout qu'on a en fait beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne la survenue, en fait, des maltraitances. Comment elles se produisent, comment elles sont finalement relativement tolérées, et comment du coup on pourrait s'y opposer. Voilà. Et on s'est aperçu que dans beaucoup de domaines dits préventifs, en fait, on n'est pas vraiment dans la prévention, on est plutôt dans le fait de gérer des crises ou gérer des drames. Et nous, notre intervention, c'est surtout d'amener tout ce qu'on a pu travailler pour empêcher que ces drames arrivent. Alors les bénéfices, c'est qu'on propose à tous ceux qui sont certifiés de rejoindre un réseau, ce qui va être un réseau d'échange de pratiques, et puis de possibilités pour nous d'informer et de continuer de donner de l'information à tous ceux qui seront dans ce réseau. Et je pense que la dimension d'un réseau est intéressante pour tout le monde, d'abord pour pas être seul dans son coin avec des responsabilités souvent importantes, voire écrasantes dans certains cas, mais aussi pour pouvoir peser. Alors notre projet de certification apporte une vision déjà généraliste de l'ensemble des maltraitances. Donc ça c'est important parce qu'on peut être spécialisé dans tel ou tel, alors que c'est important d'avoir dans des structures qui accueillent des mineurs, d'avoir l'ensemble du panorama, on va dire, des maltraitances, et de pouvoir s'y opposer facette par facette, sachant qu'à chaque fois on trouve des conditions pour que les événements surviennent dans des contextes qui peuvent être à la fois familiaux, justement des contextes après d'accueil de mineurs. Et donc, c'est important de savoir comment se déroulent ces mécanismes pour pouvoir s'y opposer. Et je pense qu'effectivement, une personne qui a cette formation, peut s'opposer, ou en tout cas peut donner des moyens aussi aux acteurs qui sont autour d'elle, pour s'opposer à ces mécanismes. Donc, c'est en ça que je pense qu'on va apporter une vraie réponse à ce fléau, enfin à l'ensemble de ces fléaux, parce qu'il y en a un certain nombre.